Les gens comptent le temps à l'envers. Ils pleurent sur une année écoulée comme une perte. Moi, je vis chaque anniversaire comme une victoire. J'étais au fin fond des hôpitaux, drogué, alcoolique et malade. Les médecins disaient que je n'en avais plus pour longtemps à vivre. J'ai été interné 15 ans dans des hôpitaux psychiatriques. J'ai côtoyé les bas-fonds, la lie de la société. Pourtant, j'arrive à 60 ans comme une fleur, au mépris de tout pronostic médical. Malheureusement, chez les amis que j'ai aimés, tant en banlieue que surtout à l'hôpital, dans les foyers d'hébergement, je ne vois que des destins tragiques. Combien sont disparus les poumons carbonisés, les veines et les cartilages grillés. Certains ont des ventres enflés par l'hépatite, prêts à éclater par le nombril, le sida qui passe de main en main, si j'ose dire. Les overdoses, souvent tragiques. Combien de morts? Les flics poursuivent des amis dans une 4L pourrie qui grimpe sur un poteau. 4 morts. Les embrouilles entre bandes font des victimes. Je me trouve en face d'une bande de 100 personnes armées de couteaux et de chaînes de vélo. Ils décident de me laisser la vie sauve. Ma fiancée prend une balle perdue dans la cuisse. Il y a les suicides, filles comme garçons, les manqués et les réussis. Réussis, si on peut dire. Et aussi les motos et les mobylettes sans casque. Celui qui achète une bécane a déjà un pied dans la tombe. Ensuite, les autos et les courses, dans des voitures empruntées. Au passage à niveau, on s'amuse avec nos motos à passer le plus tard possible. Édouard passe trop tard. Nous nous sauvons rapidement annoncer la terrible nouvelle au propriétaire de la moto. Pourquoi eux et pas moi?